Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est HN27 pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit gameplay du Battle Mode sur Minecraft. Donc voilà, donc là on est sur la plateforme Xbox One, pour une simple et bonne raison, j'ai voulu réaction sur PS Vita, mais bon. J'ai un petit contre-temps, bon c'est pas très grave. Donc j'ai pas le gameplay devant moi, donc je peux pas trop me souvenir de ce qu'il y avait. Donc déjà, on a vu le menu, on va voir le menu, on est sur le menu. Il y a une nouvelle catégorie, un mini-jeu, voilà, donc quand on va dessus, on peut rejoindre nos amis, créer une session ou rejoindre une partie publique, ce qui est pas mal. Donc franchement c'est cool hein, qu'on puisse avoir ce mode de jeu. Alors par contre, vraiment, il y a un petit truc quand même que je suis un peu déçu, c'est que bon, il y a la moitié des maps qui sont payantes quand même, voilà, donc ça coûte pas très cher, 3€, mais donc, voilà quoi hein. Il y a des maps qui sont quand même assez petites. Alors que je suis désolé, mais en téléchargeant des maps ou même en prenant le temps d'en construire nous-mêmes, si les mecs respectent bien les règles de la map et tout, bah on peut avoir des maps beaucoup mieux et gratos quoi. De ce genre de jeu quoi, dans Hunger Games. Donc voilà, donc après il y a le petit hub là où on doit attendre. Voilà. En fait, je sais pas trop comment ça marche, hein, parce que j'ai rejoint une partie publique. Je trouve que c'est quand même vraiment pas mal hein, qu'on puisse faire ça. Donc voilà, donc j'ai fait ma partie d'un mec. Voilà, donc on, là je sais pas si on est dans le hub encore, mais voilà, donc il y a un petit hub où on attend, voilà, donc c'est tout le temps le même hub, c'est un peu dommage. Donc là on est sur une map Nether, donc déjà j'ai pu tous les tester, les maps d'après moi, ouais j'ai pu tous les tester. Ma map préférée pour moi, franchement, c'est une espèce de map dans une espèce de grotte, c'est ma map préférée, voilà. Et voilà, donc tout simplement. Donc ce mec là, je vais le courir après, ça va un petit peu me gaver, mais bon hein, quand même. Ça reste une bonne chose, voilà voilà. Mais bon hein, on lui court après, mais il peut pas venir. De toute façon il va vouloir me balancer une potion, mais il va rater plus tard. Un gameplay. Je sais pas trop en fait à quel moment on en est, mais bon. Après donc mon ressenti sur Battle Mode, c'est un bon mode de jeu. Je suis déçu. Donc certaines maps sont payantes, mais c'est vraiment un bon système de pouvoir rejoindre des parties publiques. Parce que ça manquait un petit peu à Minecraft, hein, des petits serveurs ou des petits jeux comme ça en ligne. Bon, maintenant c'est possible. Sur PS Vita, c'est vraiment décevant, c'est 4 joueurs. Bon, on doit faire avec. Surtout que j'ai eu beaucoup de bugs. Alors, les petits problèmes que j'ai eu, c'est que déjà tous mes amis étaient complets. Lorsque j'ai voulu rejoindre une partie. Quand je voulais rejoindre une session, ça me mettait. Les serveurs sont complets. Bon, c'est un petit peu le. Un petit problème, je crois que c'est un bug que j'ai eu uniquement sur PS Vita, sur PS3, sur Xbox One, j'ai pu le tester la mise à jour, il n'y a eu aucun problème. Donc je sais pas trop pourquoi ça bug. Bon, le mec d'ailleurs, je l'ai bien aise, même pas si on est à ce moment-là. Vous allez voir que le mec, je vais le easy, mais vraiment easy. Hein. Voilà. En tout cas, c'est un bon mode de jeu. Voilà, quoi. Je ne suis pas trop déçu. Et voilà, donc allez, ciao!